La thématique concernant Internet correspond plus ou moins à la thématique que nous traitions à l'intérieur des concours il y a 20 ans, à savoir la télévision. L'idée, que la télévision c'est très bien, mais il ne fallait pas en abuser. Internet aujourd'hui, c'est un peu la même problématique, à savoir, c'est bien, il y a différentes applications, mais en abuser, c'est un problème, sous-entendu, posséder des outils concernant la nouvelle technologie, les tablettes, les smartphones, donc c'est inévitable, mais être possédé, c'est-à-dire être dépendant, cause problème. À l'intérieur de cette thématique, donc, nous allons évidemment traiter du sujet que je viens d'évoquer, mais surtout expliquer en quoi consiste l'économie du partage. Je veux dire par là que l'économie du partage, avec bien évidemment les exemples que vous connaissez tous, donc Le Bon Coin, Airbnb, Blablacar, ces entreprises, au jour d'aujourd'hui, nous entraînent évidemment vers un nouveau modèle économique, un nouveau rapport au monde, une nouvelle manière de consommer. Et donc, c'est ce modèle, appelé l'économie du partage, que nous expliquerons et surtout, nous essaierons de voir toutes les conséquences sociales au niveau du travail et les conséquences, évidemment, économiques. Préparez chez vous et à votre rythme l'épreuve de culture générale de votre concours. Accédez à vos cours et à vos exercices en vidéo 24 heures sur 24. Entraînez-vous grâce à des concours blancs interactifs. Posez toutes vos questions en direct à un jury professionnel. Plus d'une centaine de thématiques de culture générale à découvrir sur notre site VisioPrépa.